Le match amical entre le Cameroun et la Russie, initialement prévu pour mi-juin mais qui avait été reporté, aura lieu le 12 octobre 2023 à 18h à la VEB Arena à Moscou. L'équipe nationale du Cameroun est déjà arrivée en Russie pour ce match. C'est une occasion rare pour l'équipe nationale russe de jouer contre une équipe aussi forte que le Cameroun, qui est historiquement considérée comme l'une des plus fortes du continent africain. Le Cameroun est la première équipe non asiatique à jouer en Russie depuis le début de la guerre en Ukraine. Malgré la suspension de la Russie de toutes les compétitions par la FIFA et l'UEFA après l'invasion de l'Ukraine, la Russie a tout de même continué à jouer des matchs amicaux contre des adversaires asiatiques. Le match amical entre le Cameroun et la Russie est le premier match de la Russie contre une équipe non asiatique depuis l'invasion de l'Ukraine. Il est important de noter que ces matchs amicaux ont probablement été organisés après des accords politiques. La Russie a considérablement augmenté son influence en Afrique depuis 2019, et le fait d'avoir réussi à faire venir le Cameroun, qui est une des meilleures sélections africaines, est un gros coup pour la Russie. De toutes les façons, un match amical entre le Cameroun et la Russie va certainement renforcer les relations diplomatiques entre les deux pays. En attendant, il sera d'abord question de profiter du spectacle. Ce qui m'amène à vous demander quelle sera, selon vous, l'équipe qui va gagner ce match.